déposé votre petit déjeuner. Et je vous ai monté la presse, madame. Ah, merci. J'ai toujours su que vous étiez un père pour moi, William. C'est Charles, madame. Oui, Charles. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Où est-elle? Charles, mais que faites-vous? J'installe le petit déjeuner, pourquoi? Non, mais ce n'est pas bien possible. Je vous ai déjà dit plus de petit déjeuner pour la 54. Mais... il n'y a pas de mais, ni nada, walou, ni intérêt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, à la presse, madame. À Paris Match, gala, point de vue, vous appelez ça la presse, vous? Moi, j'appelle ça du luxe. La presse, c'est les nouvelles d'Alsace. Les nouvelles d'Alsace pour une princesse. Princesse, princesse, rien à faire. Hein, nous ne sommes plus dans mon âme. Nous, non, mais en Carquemiche. En Carquemiche? C'est un état indépendant de la Syrie ancienne sur l'Euphrate. La Carquemiche? Un de ses ancêtres y a même battu les chaos. Quoi? Un pharaon égyptien en 605 avant Jésus-Christ. C'est pour cela qu'elle est la prétendante au trône. Mais comment savez-vous tout cela, vous? On parle, on écoute, on parle et puis dit. On peut avoir ses origines et faire des études. Ah oui, bien sûr. En attendant, la Cachemire est toujours une république. La Carquemiche. Ah, oh, peu importe. Nous n'avons plus de garanties depuis 2 semaines. Des garanties? Parfaitement, des garanties financières. Et tout de même pas. Et pourquoi non? La diplomatie vous le commande. Oh, je vais me gêner. Vous avez 2 semaines de réservation. En Zaldos. Je suis désolée, mais moi, 1700 Zaldos aujourd'hui, je ne sais toujours pas combien ça fait. Cela fait approximativement 2561 euros. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez un problème avec les cours? Avec les cours officiels, non. Façon élégante de me rappeler l'exil, merci. C'est-à-dire, madame, de Le Zaldos, en Carquemiche, peut-être? En Carquemiche. Prenez au moins la peine de vérifier vos sources avant de me faire grief. Ah non, moi je l'ai bien dit. Oh, il faut vous mettre à notre place, madame. Oh, madame, savez-vous bien ce que vous me demandez? Mais si j'avais le choix, si seulement j'avais le choix. Croyez bien que je préférerais votre situation à la mienne. Croyez-vous qu'il me soit facile d'errer de palace en palace en pensant à mon pays, aux partisans de la liberté qui œuvrent depuis des mois pour mon retour sur le trône, à ces vies sacrifiées dans le seul espoir de me voir un jour reprendre les rênes et la destinée de mon pays? Alors oui, 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 je vous l'accorde, madame. Pour vous, la Carquemiche n'est peut-être qu'un petit point sur une carte. Et ce chèque en Zaldos ne représente rien de concret. Mais, en y regardant de plus près, avez-vous conscience des sacrifices qu'il représente aujourd'hui et de la valeur qu'il représentera demain? En vérité, je vous le dis, heureux les femmes et les hommes de bonne volonté qui comprendront comme vous que vivre de bien n'est pas le but, mais qu'il faut vivre pour faire le bien. Alors, le temps viendra où vous aussi, vous régnerez à mes côtés. Oh, que c'est beau! Vive la reine! La 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 la. Ainsi soit-il. Puisqu'on atteint les sommets, vous allez me trouver peut-être un petit peu terre à terre. Mais moi, la conversion des Zaldos en mort pour la patrie, ça ne m'arrange pas tellement. Je vois. Je suis navrée, madame, mais il va me falloir d'autres garanties de ce chèque. Auquel cas, je vous demanderai de bien vouloir libérer cette suite en fin de matinée. Madame! Enfin, on ne vous a rien demandé. Débarrassez cette chambre, allez voir à la 17 si j'y suis. Charles, je vous ai demandé quelque chose. On n'est quand même pas un petit déjeuner frère. Mais s'il est retenu sur votre salaire, vous pouvez le laisser. Excusez-moi, madame, mais ici, les petits déjeuners sont hors de prix. Faites! De toute façon, je ne mets pas vos croquettes de poisson. Des croquettes? Ce n'était pas des conquêtes de poisson, c'était des œufs au lard! Ah ben, mes compliments au chef! Oh, vous servez la main-d'œuvre serbe! Le personnel n'est plus ce qu'il était! À qui dites-vous? Pour lire que les pourboires non plus! Votre Majesté! Votre Majesté, victoire! Votre Majesté, victoire! La reine, ça y est, nous avons réussi! Les partisans de la liberté viennent de renverser le général Manchouilla! Oh Dieu soit loué! Le général Piolet est massé à la frontière. Le peuple entier réclame votre retour, Majesté. Cela tombe bien. On nous pressait. Pardon? Madame venant dans l'instant de nous congédier. C'est une plaisanterie. Oh, c'est-à-dire, monsieur. C'est un incident diplomatique que vous voulez? Non, mais. Savez-vous, madame, qu'à l'heure où je vous parle, le professeur Vermeil, nouvel ambassadeur de la Carquemiche, vient d'être reçu par François Hollande et vous
payer et congédier une Altesse royale, chef d'État qui plus est. Donc, attendez, sérieusement, entre nous, le jour de votre procès, vous vouliez plaider la folie, n'est-ce pas? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec mon petit déjeuner? Je reprends, je reprends. On laisse ça immédiatement et on se dépêche de remonter le champagne. Oh, du moins des chandons. Son Altesse ne boit que du moins des chandons. Eh bien, il n'y en a que la couronne monte à la tête. Oh, mais faites ce qu'il vous dit et n'oubliez pas les toasts. Au caviar ou au foie gras? Les deux. Les deux. Et tiens, vive la reine. Que faites-vous, madame? Eh bien, je demande à... L'étiquette, madame, l'étiquette. L'étiquette? L'étiquette vous interdit de vous adresser à son Altesse directement. Et pourtant, il y a tout juste 5 minutes. Il y a 5 minutes, madame, son Altesse n'était pas chef d'État. Et comment je... Ben, adressez-vous à moi et je transmettrai. Alors, transmettez déjà les excuses. Comment? Comment quoi? Comment vos excuses? Plates? Oh, ben oui, bien entendu. Votre Majesté, Madame la Directrice, vous prie de bien vouloir accepter ses plus plates excuses pour l'incident qu'elle allait provoquer, dont elle n'avait pas mesuré toute l'importance. Dites-lui que j'accepte ses excuses. Son Altesse, pardon, accepte vos excuses. Merci, Votre Altesse. Hé, à moi, à moi, à moi. Merci. Eh bien, Votre Altesse, merci. Comment vos excuses? Les plates, oui, je le disais, oui, plates. Des plates excuses. Dites-lui que je suis un peu lasse. Je souhaiterais être seule. Oh, mais... Hé, hey, oh, vous êtes bouché ou quoi? Son Altesse vous prie de vous retirer. Elle souhaite travailler à l'ordre du Conseil des ministres. Ah, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Mais c'est une guerre que vous voulez. Oh, non, mais non, mais non. Bon. Bonjour, Eclipse. Oui. Puis-je vous demander de transmettre une dernière chose? Quoi encore? Dites à son Altesse que le personnel et moi-même serions honorés de servir son Altesse dans cet établissement aussi longtemps qu'elle le souhaitera. C'est bon, je transmettrai. Et... Votre Altesse. Ouais, c'est bon. Son Altesse a-t-elle besoin que je transmette? Elle est con! La cavalerie arrive après nous, mais j'étais en bas à la piscine, je les ai vus monter, j'ai préféré faire fille ça. Ouais, sauf que là, c'était la grosse cavalerie. Quoi encore? Bah, excuse-moi, mais le coup de l'étiquette... Bon, ça va, on peut plaisanter. C'était limite. Ah, évidemment. Non, ce ne sont pas les idées de madame. Oui, ils sont là toujours suivis les scénarios de maman à la lettre. C'est rodé, c'est étudié, c'est sans faille. Oui, c'est vieillot. On est au 21e siècle, ma chérie. Hein, tes histoires de pays imaginaires et de princesse, c'est bon quand tu as 20 ans. Oh, je n'ai quand même pas l'âge de jouer les reines mères. On est limite. Faudra voir à pas trop tarder à changer de registre, hein. Je te signale que nous n'avons que 5 ans d'écart. 5 ans? Non, mais tu comptes en année de chien ou quoi? On a 7 ans. 7 ans d'écart. Oui, bon, ça va. Je te signale quand même que tu as encore dit le général Manchouya. Non. Tu as dit Manchouya? Non, j'ai dit Manchouya. Brice, les compagnons de la liberté doivent renverser le général Manchouya. Donc, Manchouya, Manchouya, qu'est-ce que ça vous dit? Ça n'existe pas. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai failli exploser de rire. Qu'est-ce qu'on a pu voyager avec cette femme? Ah. Bon, elle avait trouvé ça dans un journal à l'hôtel, tu te souviens? Oui, maman avait du génie pour ces choses-là. Ah, on en a fait du pays. Oui. Ouais. Bah, je crois qu'il n'y a qu'une fois où ça a failli échouer, non? Ah oui, à cause de la fille d'Hermont. Ouais, ouais. Ouais. Bon, elle était amoureuse de toi, c'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Ah bon? Oui. Ah, plutôt mignonne, non? Tu ne regrettes pas? Quoi? Ben... La fille d'Hermont? Ah non, oh non, non, trop intelligente, non. Ça, tu vois, c'est le genre de fille que tu présentes à ta mère. Enfin, pire, que tu épouses et qui devient ta mère. Alors non, ça, c'est... Oh, elle me manque. Moi aussi, Françoise. Elle n'aurait jamais dû sacrifier pour nous. Peut-être, mais elle l'a fait, écoute, il faudra vivre avec. Tu sais, je commence à en avoir assez de cette vie-là. Je sais, sereine, je sais, mais cette fois, ma chérie, c'est le jackpot, hein? Dans quel jour on quitte la France? Combien crois-tu qu'on ait encore de jours de répit? Bon, 5 à tout casser. C'est plus qu'il nous faut. La transaction devra se faire en 48 heures. Bon, dis-moi, où en es-tu avec ta info? Pourquoi dis-tu ma info? Parce que c'est une info. Ah oui? Et si elle était tombée amoureuse? Mais de quoi? Comment de quoi? De mon charme, par exemple. Ah, parce qu'elle a de l'humour en plus. Ça va, vipère. Oh, ça va, fais pas ton susceptible, on sait que tu es beau gosse. Mais il faut le dire. Oh, mais ça va, petit. Oui? Service d'État, monsieur. Entrez. La direction souhaite la bienvenue à son Altesse royale. C'est du moins que Chandon. Tout à fait. La cuvée, monsieur Esperanza. Pardon?
La cuvée. Non, ça j'avais entendu, c'est le nom que j'ai du mal à digérer. La cuvée 2010, monsieur. Oh, royal. Oh, inespéré, pour un établissement qui me refusait un petit déjeuner. J'espère que son Altesse ne m'en tiendra pas rigueur. Bien sûr que non. Bien sûr que non, son Altesse sait être clémente avec le petit personnel dont nous avons besoin. Oui, bien sûr. Non, non, laissez, je m'en occupe. Ah, désolé, je n'ai pas d'équipe. Ouais. Pas d'équipe? Pourtant, monsieur me semblait bien mouillé. Oui, monsieur mouillé, mais j'ai pas dit qu'il y était. Merci pour Esperanza. Oh, tu n'aimais pas Gomez non plus. Mais enfin, pourquoi me donnes-tu toujours des noms à la con? Ce ne sont pas des noms à la con, ce sont des noms espagnols. C'est mon côté ibérique. Ibérique? On manquait plus que ça. Oh, mais on s'en moque pas, moi, plutôt du tableau. Oui. Alors, tout ce que je sais, c'est que c'est un Seurat. Tiens, j'ai préparé une petite fiche. Alors, Georges Seurat, 1859-1891, peintre dessinateur français né à Paris, créa... Tu l'as apprise? Oui. Vas-y, récite. Georges Seurat créa une sorte de théorie intellectualisée. Sa technique, le pointillisme, constituait à juxtaposer de minutes, couches, de couleurs, qui ne devait faire qu'un dans l'œil du spectateur. Voilà, écoute, et plus de ça quand même que ce Deus, c'est toi qui risques d'en avoir besoin, c'est pas la peine de me. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah ben, oui, j'avais oublié. Bon, et toi, ton acheteur? Tiens, moi aussi, je t'ai préparé une fiche. C'est lui? Edmond Talipo, la trentaine, célibataire, amateur de peinture, directeur d'une galerie d'art à Bordeaux et actuellement en vacances à Strasbourg pour 3 semaines. Comment le sens-tu? Un peu tiède. Ouais, bah alors tu vas te faire chauffer tout ça. Parce que... Et la chèvre? Oh, ben tiens, c'est elle. Ah, c'est elle? Audrey Martin. Et la coiffeuse? Oui, c'est elle qui coiffe Talipo tous les mardis. Monsieur a déjà ses petites manies. Tu crois qu'elle lui a fait du rentre dedans? Oh, c'est le genre de vantard qui ne peut pas s'empêcher de raconter sa vie tout en séduisant. Espérons qu'il y en ait bien assez. Ne t'inquiète pas, à le moment venu, elle me mettra en relation avec Talipo. D'accord, parfait. Bon, alors on se fait un petit briefing. Oui. Point 1. Edmond et Dorothy ne doivent jamais se rencontrer, ça c'est important. Point 2. Lorsque Dorothy viendra demander Claude Hermain. Monsieur Françoise? Quoi? J'ai oublié de faire la réservation sous le pseudo de Claude Hermain. Quoi? Ben, Dorothy me connaît sous ce nom. Elle va demander Claude Hermain à la réception. Et tu n'as pas fait la réservation avant? Mais non, je viens de te le dire, j'ai oublié. Non, voilà. C'est pas possible. Mais j'ai oublié. Tu veux qu'on t'a pas confiance en plus, quel crétin, ne sais pas. Que fais-tu? Ben, une commande au Café Lafayette, ça ne se voit pas. Oui, la réception? Oui, passez-moi la directrice, je vous prie. Ah, elle monte. C'est parfait. Elle monte. Elle monte. Déjà? Ça doit être ça, ouvrir. Oui? Entrez. J'ai tenu à vous inviter personnellement à la soirée dansante qui sera donnée en l'honneur de son Altesse. Nous serions honorés de sa présence. Merci, je transmettrai. Ça, je peux faire quoi? Oui. Je souhaite votre Altesse. Venez, madame. Vous permettez? Je vous en prie, puisque son merci, Altesse vous... Merci, Esperanza, merci. Madame, j'ai les droits de lutte. J'ai une faveur à vous demander. Oh, nous allons tout mettre en œuvre pour satisfaire votre Altesse. Ce soir, un agent... Un agent secret. Un agent secret doit me communiquer des informations très importantes pour la survie de mon royaume. Des informations très importantes pour la survie de votre royaume. Des informations capitales, vous comprenez? Oui, 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 oui. Cet agent, une femme, se présentera donc ce soir à la réception et demandera Claude Hermain. Je répète, Claude Hermain. Répétez. Claude Hermain. Parfait. Vous la ferez monter directement dans ma suite où elle sera reçue par Monsieur Esperanza qui est là. Bien, Monsieur Esperanza. Laissez-moi. Puis-je compter sur vous? J'assure à votre Altesse que cette dame sera dans sa suite sous aucun problème. J'y verrai personnellement. La Carquemiche vous en sera éternellement reconnaissante. Votre Altesse. Allez, c'est fini. Gardez la pause, vous foncez dans le... Bien joué, Jean-Baptiste. Bon, ça va, continue le briefing des fois que tu oublies le faussaire. Pas quel faussaire? Brice! Ça va, je plaisante. Non, mais parce que tu crois que c'est le moment de présenter, idiot? Oh, ça va, je m'en détends pas de faussaire. Ah, oui, alors, alors point 1, Dorothy et Edmond ne doivent jamais se rencontrer. Point 2, faire une copie du sera. C'est Max qui s'en occupe. Bon, combien? Bah, 12%. 12%? Mais écoute, j'ai pas pu négocier. Quand même, c'est exagéré. Mais 12%, c'est un bon prix. On lui demande ça en peu de temps. Alors, oui? Oui, madame la directrice, c'est ça, Claude Hermain, oui. Claude Hermain. Claude... Pardon, c'est pas de répéter Claude Hermain. Pardon? Quoi? Dorothy est en bas. Quoi?
Attendez, vous êtes sûr qu'elle n'a pas dit Kleiderman ou Doberman ou... Donc, comment est-elle? Une... Oui. Ah bah oui, c'est elle, alors oui. Oui, mais écoutez, faites-la monter immédiatement. Merci, madame la directrice. Mon routier est en bas. Oui, mais j'avais entendu, oui, mais c'était elle devait venir que ce soir. Je ne peux pas t'expliquer, hein, je ne sais rien, dépêche pas. Oui, qu'est-ce que je fais? Tu files. De toute façon, ne me traîne pas, et en cas de problème, j'interviendrai. Oui. Dis-moi, tu préfères Lucrèce Borgia ou Jeanne d'Arc? Écoute, tu improvises, allez, dépêche-toi. Oui? Claude! Oh, ciel! Non, me tire! Il n'y a que toi, que toi! Plus que moi? Oui, pour me donner des rendez-vous à 7h. Oui, mais ma chérie, nous n'avions rendez-vous qu'à 21h! Oh, tu me connais, toi, oui! Tu savais que je ne pouvais attendre davantage! Mais ma chérie, n'est tout de même qu'à 11h! Oh, oui, ces fleurs, ces danses et ce champagne! Oh, grand fou! Tu crois qu'ils auraient pu attendre jusqu'à 21h? Oh, je suis excitée, oui, tout m'excite, excite! Embrasse-moi! Tranquille! Embrasse-moi! Donne-moi ton tisonnier. Dorothy, je t'ai jamais vu dans un califat. Oh, ça fait trop longtemps que tu me fais attendre. Je n'en peux plus, j'ai la pinède en fusion. Tiens, tout à l'heure, en venant à l'hôtel, j'ai croisé... Nous sommes splendides. Oh, de vrais athlètes. Ils se sont mis à me regarder de façon quasi indécente. J'ai même cru qu'ils allaient me renverser par terre. Alors, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Et tu les as rattrapés? Oh, mais mon Dieu. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de venir te retrouver. Ma chérie, oui. Calme-toi, prenons une coupe de champagne. Oh, c'est bien qu'une heure de plaisir ne vaut pas une vie de remords. Parce que tu arrives à tenir une heure? Ça dépend des circonstances. Oh, elles sont loin d'être atténuantes. Je te veux. Enfin, fais donc maintenant. De suite. Si j'ai besoin de te découvrir, de sentir ton corps, de libérer le mien, de l'étalard vert dans lequel on l'a étriqué. Oh, je sens que tu es à même de me délivrer. Oh, je suis une nymphe. Ne manque qu'à devenir femme. Ma sœur a avait raison, c'est une nympho. Alors, tiens. Fais-moi l'amour. Non, c'est impossible. Comment non? Non, j'ai mes raisons. Enfin, je ne te plais pas. Oh, tu es ravissante, ma chérie. Mais alors quoi? Alors, il y a que je ne veux pas mélanger plaisir et business. Voilà. Tu rigoles? Non, je suis sérieux, j'ai trop de respect pour toi. Moi, j'ai pas envie de t'offrir comme ça, tac, une aventure sans lendemain. Eh bien, moi, oui. Quoi? Tu veux d'une aventure sans lendemain? Non, je veux d'une aventure tout court. Je veux du sexe. Rien. Non, c'est pas possible. Non, Dorothy, non. Non. Claude, calme-toi. Il y a une autre femme dans ta vie. Une femme? En fait, on l'a-tu imaginé? Oh, mon Dieu, il y en a plusieurs. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. De toute façon, ça n'aurait eu aucune espèce d'importance. C'est vrai que je ne sais même pas pourquoi je te demande ça. N'en parlons plus. Il en veut. Il en veut beaucoup. Un peu. Non, t'inquiète pas. Crois-moi, c'est mieux ainsi, ma chérie. Bah, si tu le dis. Ah oui, je le dis. Bon, allez, si on parlait plutôt affaire, si on parlait de ton sera. Je n'en ai pas envie. Quoi? Enfin, il faut bien que je le voie, ce tableau pour l'acheter. Je n'ai plus envie de le vendre. Pourquoi? Parce que, après tout, un sera, c'est une valeur sûre. C'est vrai, on ne risquera pas d'être déçu par un sera. Ah d'accord, tu joues les mesquines maintenant. Et alors? Tu joues bien les radins? Moi, je suis prêt à t'en offrir de... Ah d'accord, c'est pas l'argent qui t'intéresse, toi. Bon, d'accord. D'accord, on va faire l'amour. Oh, c'est vrai? Oui. Oh, Claude. Oh, ma chérie, tu aurais quand même pu attendre jusqu'au mariage. Quoi? Hey, ma chérie, je t'aime. Je vais t'épouser. Je vais épouser ta mère. Oh, et tout le reste? Sur tout le reste. Oh, mon amour, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, écoute, tant mieux, ma chérie. Je suis sûre que Cindy, ça va pas le joie. Hé, Cindy. Oui, je ne t'ai pas parlé d'elle? Non. Allez, ne t'inquiète pas, ma chérie. Cindy est ma sœur. Bon, je ne savais pas que tu avais une sœur. Oui, c'est ma cadette. Et elle reste à Paris? Non, elle est ici, partout où je vais, Cindy me suit. Comment, ici? Oui. Oh, et quand pourrais-je la rencontrer? Comment tu veux faire sa connaissance? Oh, évidemment, quelle question. Bon, ben écoute, je vais aller la chercher. Oui. Je vais la détacher du lit. Comment? Elle est attachée au lit? Ah oui. Dorothy. Cindy est, comment dirais-je, elle est un peu spéciale, tu vois, elle n'est pas tout à fait normale. Alors, tâche surtout... Ne rien laisser transparaître et de garder ton calme. Zen attitude, d'accord? Je reviens. Cindy, c'est papa! Spécial! Mon Dieu!
attaché au lit. Allez, viens, Cindy. Viens, Cindy. Voilà. Cindy. Cindy, je te présente Mademoiselle Lévesque. Appelez-moi Dorothy, hein. Appelez-moi Jeanne d'Arc. Ne fais pas attention à elle, en ce moment elle est en pleine crise de mysticisme. Ne l'écoutez pas, mon frère est un pleutre. Il dit ça parce qu'il a peur des Anglais. Vous êtes cochon? Non, cheval de feu. Vous n'êtes pas l'évêque cochon? Ah non, l'évêque tout court, puis même pas l'abbé, alors... Cindy, là, je vais rentrer immédiatement. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Ne t'inquiète pas, c'est très passager ici. Oui. Mais enfin, elle a failli m'étrangler. Mais regarde, après elle est plus comme un agneau. C'est l'épopée Jeanne d'Arc qui continue. Non, je t'assure, regarde, c'est très passager, mais elle est calme, elle est douce. Claude, qu'est-ce qu'elle a là? Et, en fait, quand elle n'est pas dans ses crises de mysticisme, elle fait le singe, elle ne parle pas. C'est déjà ça. On retourne primate, c'est bon. Oui. Attends, tu vas voir, je vais m'occuper d'elle. Cindy? Cindy. Oui, gentil, Cindy. Cindy, montre à Dorothy que tu sais être une gentille fille. Cindy? Montre à Dorothy que tu sais être une gentille fille tout de suite. C'était le choix. Non! Voilà, allez, vas-y. Voilà, gentille fille. Regarde! Voilà. Dorothy, dis-lui que c'était une gentille fille. C'est gentil, hein? Non, écoute, Dorothy, fais un effort. C'est gentil, hein? Voilà. Oh là, je sens qu'on va bien s'entendre tous les trois quand on est dans le même lit, ça va être génial. C'est-à-dire, chérie, que je... Quoi? Tu ne voudrais pas me l'obtiser? Ah bah si tu veux, Cindy, viens voir papa. Cindy, ne m'oblige pas à aller chercher le fouet. Laisse-moi. Non, assure-toi, c'est pour lui faire peur. Cindy, le fouet. Cindy, tu n'auras pas de banana. J'ai ici, sinon pas de banana. Toi, avec la banana, ça marche toujours parce que... Elle est l'unique au flouton de la mode. C'est la banana. Elle est l'unique au flouton de la mode. C'est la banana, por favor. Si, seigneur. Imaginez alors ce qu'on dirait en nous voyant tous les deux ici. Ils ne font pas.
en chambre. C'est de plus en plus rare, mais bon. Là, ce n'est pas pareil. Quoi? On la connaît? Non, pas encore. Oh, c'est une vedette. Télé? Cinéma? Showbiz? C'est un homme politique. Vous n'y êtes pas. C'est un homme politique, j'en étais sûr. Comment pouvez-vous préférer le crâne d'un politicien véreux à ce qui me reste de mes cheveux soyeux d'artiste? Je ne peux rien dire. Et, allez, rassurez-vous, il s'agit d'une dame. Je préfère ça. Et puis, cheveux d'artiste, monsieur Talipot, excusez-moi, on repassera. Quoi? Je ne suis pas un artiste, moi? On voit bien que vous n'avez pas vu mes toiles. Ce ne sont pas vos toiles, monsieur Talipot. C'est votre galerie, mais ce ne sont pas vos toiles. Je suis sûr qu'il y a un Van Gogh qui sommeille en moi. Mon Dieu, vaut mieux être sourde que d'entendre ça. Oh, si seulement j'avais trouvé ma muse. Monsieur Talipot, je pense qu'il vaudrait mieux que vous retourniez au salon. Et vous? Mais moi, je suis bloquée ici jusqu'à 16 heures. Alors, tenez, demandez à Cathy de vous coiffer pour une fois. Cathy, non mais vous plaisantez. Vous avez vu la couleur de la grosse allemande? Vous n'y allez pas pour une teinture, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y a que je n'ai pas envie de ressembler à du papier peint. Je croyais que vous étiez un avant-gardiste. Oui, mais je suis un homme de goût. Monsieur Talipot, c'est pas possible. Monsieur! Madame! Monsieur? Je sortais. C'est Monsieur Talipot, un client fidèle et... Ah. Oui. Et je m'étonnais de ne pas trouver mademoiselle au salon. Oh, je suis désolée pour ce contre temps, monsieur, mais Audrey sera indisponible jusqu'à 17h. C'est ce que je crois comprendre, oui. Maintenant, monsieur, je vais vous demander de bien vouloir... Oh, mais naturellement. Ah! Ne vous inquiétez pas, monsieur, il y a d'autres coiffeuses dans notre salon qui feront très bien l'affaire. Descendez de ma part et demandez Cathy. Cathy? Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Vous avez vu la tête d'Angela Merkel? Angela... Mais qu'est-ce qui vous prend? Savez-vous dans quelle chambre vous êtes? Mais si, monsieur... Mais c'est rien du tout! Vous me croyez chez Coiffe HM? Savez-vous bien l'honneur qu'il vous est fait? Oui, je sais. Je vais coiffer une Altesse royale. Mais vous devriez montrer un peu plus d'enthousiasme. C'est elle qui a tenu à ce que ce soit vous qui la coiffiez. Enfin, je ne la connais pas, moi. Il paraît que vous avez coiffé une de ses amies. Ici, au salon. Mais qui? Vous me voyez lui demander la liste de ses amis. Déjà que nous avons frôlé l'incident diplomatique, on marche sur des œufs. Alors, pas de fausses notes. Je pense qu'il va falloir changer les draps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? M'étonnerait que ça soit le mic. Où avez-vous trouvé ce drap? Sur le lit en boule. Et voilà le morceau. Son Altesse aime le découpage. Oh, installez votre matériel, taisez-vous. Charles, changez-moi ces draps immédiatement. Jetez-moi ça. Je peux garder le morceau? Ça me fera toujours un appro. Faites ce que vous voulez, mais dépêchez-vous. Ça doit être joli chez toi. On fait ce qu'on peut. On n'est pas des bœufs. Et vous, tâchez de faire le maximum. Je vais essayer. Si elle vous demande une couleur, pensez à la tiare. À la tiare? Oui, la couronne. Ah, parce qu'en plus, il faut assortir la coiffure à la tiare. Bon, alors de quelle couleur la tiare? Comment voulez-vous que je sache? Oui, entrez. Ah, madame la directrice. On m'a dit que je vous trouverais dans cette chambre. C'est bien celle de M. Herman. Herman? Vous avez dit Herman. Mais comment Herman? M. Claude Herman. Claude Herman? Oui. Il n'est pas encore là, mais j'ai bien compris votre code. Ah. Oui, je suis au courant, mais secret diplomatique. Vous voulez attendre M. Esperanza? Est-il? Vous vouliez voir M. Esperanza? Mais non, non, M. Herman. Ah, je vois. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de tousser. De tousser quoi? Oh, non, j'ai compris. C'est un test. Ne vous inquiétez pas, je sais tenir ma langue. Elle est en sécurité ici. Ah, vous voulez parler de la reine? Oui, et croyez bien que nous sommes flattés qu'elle ait choisi notre établissement comme port d'attache. Comme port d'attache? C'est bien aimable à vous. Je vous laisse avec Audrey qui doit coiffer sa majesté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Vous avez suivi notre crise? Pardon? C'est vous qui allez coiffer la folle? Mais pourquoi dites-vous que c'est une folle? Pourquoi? On ne vous a pas dit qu'elle était? Oui, on m'a dit que c'était une Altesse royale. Altesse royale? C'est une folle. Oui, elle a des crises de mysticisme. Tiens, hier, elle se prenait pour Jeanne d'Arc. Elle s'étrangle et ensuite, elle fait le singe. Le singe? Oui, le singe, ça coule.
aller l'attacher au moins. Mais non. Oh mon Dieu. Malheureuse. Vous prenez vos précautions. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Non. Mais vous plaisantez, n'est-ce pas? Et ça, vous croyez que c'est une plaisanterie? Ah, Dorothy! Claude! Je te prie de m'excuser pour ce retard. Oh, la directrice avait voulu que je t'attende ici, alors j'en ai profité pour discuter avec mademoiselle. Mademoiselle? Monsieur? Oui, j'étais justement en train de la mettre en garde. C'est elle qui m'a coiffé ta sœur. Votre sœur? Oh, monseigneur! Non, non, c'est inutile. Lui, il est normal, c'est sa sœur qui gibrait. En attendant dans la voiture, je crois que mademoiselle est assez grande pour... Assez grande? Oui. Non, mais tu plaisantes. Tu as vu le gabarit de ta sœur? Elle n'en fera qu'une bouchée. Oh, oui. Écoutez, que d'ailleurs elle ne va pas tarder, je crois que tu ne veux pas d'une nouvelle confrontation. En attendant dans la voiture, monsieur. Tu m'en gardes. Ouais, je t'attends. Oui. Oh, c'est mignon, ça. Ah, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. En cas de crise, gentille fifille. Bien triste spectacle auquel vous venez d'assister, mademoiselle. J'ai bien peur de ne pas vous suivre. Je suis bien triste que vous ayez eu à subir les divagations de la grande duchesse. De la sœur de la reine. Ah, vous voulez dire que cette femme est... Dorothy de Levenken, votre sœur aînée, la sœur de la reine, mais à cause de son état psychologique, elle a dû renoncer au trône. Alors vous voulez dire que la folle, c'est elle? Oui, oui, il y a quand même d'autres termes. Oh, pardon, oui, pardon. Marquez, vous avez raison. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier après tout son état. Nos ministres ont voulu qu'elle abdique. Et puis c'est devenu une sorte, comment dire, d'affabulatrice. Il en veut la mort, pensez bien. Oui, mais les marques. Les marques? Sur son cou. Sur son cou? Les marques sur son cou. Les marques sur son cou. Si vous saviez les marques sur son cou. Bien sûr, je ne devrais pas vous le dire, mais je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas? Mais vous pensez? Les marques sur son cou, c'est parce que... elle a essayé de se pendre. Oh, mon Dieu! Avec un élastique, pour... Quel malheur! Évidemment, je compte sur votre discrétion, mademoiselle, pas un mot à quiconque. Oh, ben oui, vous pensez, bien sûr. Ça va être dur. Mais oui, 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 oui. Bien. Vu son état, vous comprenez aisément que je ne puis la laisser seule 5 minutes. Mais bien sûr, je vous en prie. Faites, votre majesté. Je vous remercie pour votre bienveillance, mais je n'ai pas le droit à ce titre. C'est elle. Ah, alors comment faut-il vous appeler? Votre Altesse, tout simplement. Tout simplement. Votre Altesse, moi j'ai juste une toute petite question. Pour être bien sûr de... moi. Oui. C'est bien la reine que je vais coiffer. Vous pouvez en être sûr, tout comme vous pouvez être assuré de la gratitude de notre pays. Nous sommes contents de vous. Mmh. Quand je vais raconter ça aux copines. Oui? Entrez. Ah! Charles. Tu es seul? Oui. Ils viennent de partir. Mais qui? Le prince et sa sœur. Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Le prince et sa sœur gibrée. Celle qui a essayé de se pendre. T'as fumé? Mais non! La reine a une sœur. Une gibrée, je te dis. Elle ne m'en a jamais parlé. C'est qu'on la cache sec. Ah oui? Mais oui! Figure-toi qu'ils ont préféré de l'envoyer à l'asile plutôt que de l'avoir sur le trône. Alors c'est pour ça qu'elle a essayé de se pendre avec un élastique. Mais comment sais-tu tout ça, toi? Ah, ça c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Je vous en prie, votre majesté. Charles. Je finissais, madame, votre Altesse. Votre majesté, permettez-moi de vous présenter Audrey Martin. Ah, la fameuse Audrey. Oh, la fameuse. Votre majesté est bien bonne. C'est donc à vos doigts de fée que je vais confier ma tête. Oui, et elle est en de bonnes mains, n'est-ce pas? Je vais tâcher de ne pas vous décevoir. Je vous le conseille. Tiens, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, merci. Votre majesté.
un jour, je coifferai une reine, une princesse. Il faudra attendre le sacre pour cela. Ah, c'est pour bientôt, quand je rentrerai au Carquemish. Vous devez être impatiente. Oui. En tout cas, vous parlez bien français. Oh, vous trouvez? Oh, oui. Bon, j'ai fait mes études à Paris, et puis vous savez, le fait d'être en exil depuis 20 ans, ça compte. Et on n'a pas tous les jours 20 ans. Mais oui, que je suis bête. Vous n'êtes pas née là-bas. Non, vous n'êtes pas... carquemichoise. Carquemine, si je puis me permettre, on dit carquemine. Oh, on va m'en vouloir, vous savez, moi, quand je sais pas... J'invente. Vous savez, nous sommes toutes les mêmes. La vérité d'une femme, c'est d'abord ce qu'elle cache. Eh ben oui, oui, oui. Bien, alors, nous allons commencer par une petite friction aux oui. huiles essentielles. Oui. Vous avez une préférence? Oh, je vous laisse le soin de choisir. Bien. Et voilà. Alors, vous avez le cheveu sec. La racine grasse. Bien, allez, on va vous réparer tout ça avec un peu de menthe et de camomille. Vous allez voir, ça va vous détendre. C'est que vous devez en avoir rudement besoin après un tel choc. De quel choc parlez-vous? Mais de votre sœur, la duchesse Givry, qui a essayé de se pendre. C'est qu'elle doit vous en vouloir beaucoup pour arriver à de telles extrémités. De ma sœur? Oui, elle m'a montré les marques sur son cou, figurez-vous. Bon, j'avais promis de ne rien dire à votre frère, mais là, on est entre nous, hein. Oui, ça ne sortira pas de la famille. Elle m'a même dit que vous vous transformiez en singe et qu'il fallait vous dire gentil, Fifi, pour vous calmer. Ah, Dorothy, avons-vous parlé de Dorothy? Oh, comme c'est triste. Ah, c'est terrible pour votre sœur. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais pourquoi vous ne la faites pas enfermer? Aïe! Oh, pardon, je vous ai fait mal? Non, non, non. Ah, mais bien sûr que vous y tenez, alors c'est pour ça que vous la gardez. Disons que ce n'est pas aussi simple que cela. Oh, mais c'est que je les connais, moi, les gens du grand monde. Ça fait un moment que je les observe dans cet hôtel, et ben, je peux vous dire que c'est bien simple. Soit c'est l'hôtel du libre-échange, soit ça pète un câble. Ah oui? Ouais. Remarquez, attendez, je vous dis ça, ça vous concerne pas. Vous allez être bientôt une reine. Eh ben, pour moi, les reines, c'est pas comme les présidents. Mais ah oui, en quoi les reines diffèrent-elles? Ben, mardi, ça pense à sa succession. Ne me dites pas que vous voulez pas le meilleur pour vos enfants. Répondez, je vous prie. Allô, oui. Oui, je vais voir si son Altesse peut vous parler. Monsieur Esperanza. Oui, je prends. Merci. Allô, oui. Non, je ne suis pas seule, mais vous pouvez parler, chère amie. Quoi? Mais que dites-vous? Mais que dites-vous? Mais que dites-vous? Oh, mais non, mais ce n'est pas possible. Mais oui, bien sûr que je sais que vous n'y êtes pour rien. Oui. Oh, faites part de mon soutien au général et dites-lui que je sais ce qu'il me reste à faire. Adieu, Speranza. Vive la Carquemiche. Adieu. Tout est fini. Enfin, que se passe-t-il? L'impondérable. Les partisans viennent d'être renversés. Qui? Les combattants fidèles parmi les fidèles viennent d'être renversés par le général Clermont. Et alors? Et alors? Je ne serai jamais reine. Oh, mais pourquoi dites-vous ça? Parce que mes partisans ont besoin d'armes, de vivres, de soins, et que je ne suis pas en mesure de les leur fournir. Voilà pourquoi. Je ne sais pas, moi. Vous allez être futur chef d'État, alors demandez une aide internationale. Il faut d'abord être au pouvoir pour cela.
Tu dois bien y avoir une solution. Demandez à Hollande. Je suis sûre qu'il peut vous faire une avance. Mais vous croyez que c'est si simple? Et puis je vous rappelle qu'Hollande n'a plus un pélo. Mais pourtant, avec tout ce qui nous taxe... Je n'en vois pas d'autre que celle de maître... Mais comment mettre pas au jour? Eh, vous n'y pensez pas? Eh, vous n'allez pas faire comme votre sœur, la duchesse Chivray? Vous n'allez pas essayer de vous pendre avec un élastique que vous l'aviez préparé? Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. À tous ces gens qui croient en vous. Vous m'entendez? Vous n'avez pas le droit de vous suicider. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Oh, rendez-moi mon élastique. J'allais dire... Il ne me reste plus qu'à mettre en vente un trésor national que mon père m'a légué. Ah, vous avez un trésor? Un tableau. C'est tout comme. Un tableau. Je veux dire une peinture. Un sera. Qui sera? Georges sera. Une version inédite sur bois qui date de 1888. Ah, ça a de la valeur? Vous n'imaginez pas. Non, mais je veux dire, ça vaut cher. Je ne connais pas les cours, mais j'imagine. Autant qu'un Picasso, par exemple. Alors là, je le pense bien. Ben alors, on n'avait qu'à le vendre. Hélas, mes partisans ont besoin de cet argent sous 48 heures. Après-demain, il sera trop tard. Et où voulez-vous que je puisse trouver un particulier qui puisse faire l'acquisition de ce tableau en ce laps de temps? Ah, oui. Si seulement je connaissais quelque amateur d'art. Ah, ouais. Un homme qui puisse faire l'acquisition de ce tableau. Ouais, bon, alors là, pas facile, hein, même pour la bonne cause. Bon, ce tableau pourrait être exposé dans une galerie. Une galerie? Oui! Quelle drôle d'idée! Vous, par le plus grand des hasards, vous ne connaîtriez pas un homme? Un collectionneur? Non. Mais si! Un grand, brun, avec des lunettes! Non, je vois pas. Alors, vous êtes une fille intelligente, malgré les apparences. Je vous assure, un collectionneur, un grand brun. Avec des lunettes, j'y pense. Mais j'ai votre âme. Mais comment j'ai fait pour pas y penser plus tôt? On se le demande. J'ai un client que je coiffe tous les mardis. Oh, nous sommes mardi. Edmond Talipo, ta philo. Talipo. Ah, mais oui, c'est ça. Vous connaissez? Ah, non. C'est un grand brun, avec des lunettes, et il est directeur d'une galerie d'art. Vous parlez d'une coïncidence. Par contre, je dois vous prévenir, hein, c'est un dragueur de première. Ah oui. Ah, mais moi, je pense qu'il pourrait être intéressé. Vous croyez? Mais oui, je sais qu'il est au salon. Si vous voulez, je vais le chercher. Vous feriez cela? Bien sûr, je vais me gêner. Pourtant, je dois vous le défendre. Oh, mais pourquoi ça? Je ne veux pas vous impliquer dans cette histoire. Enfin, quand peut-on pour rendre service? Mademoiselle, la carte est mise chez moi. Nous verrons jamais ce que vous avez fait pour... Oui, d'accord, très bien. Alors, écoutez, vous allez vous rasseoir là, et puis vous allez continuer à vous masser, ça va vous détendre. Et puis moi, je reviens tout de suite, je vais le chercher. D'accord. Alors, tiens, justement, j'allais t'appeler. Alors, pour une dinde, c'était quelle une dinde? J'attendais qu'elle sorte. Et si ça n'a pas fonctionné? Aussi bien que là, si tu vois la tête qu'elle m'a fait, ça, c'est une coiffeuse, alors là. Bon, dis-moi, toi, le tableau. Tiens, voilà, je suis passé chez Max. Voilà quoi il ressemble, qui gravure sur bois de 1888. Ah oui, très très bien, très très bien. Ah, mais tu sais que là, on joue vraiment le chrono. T'inquiète pas, ça ira. Oh, il y a quand même un hic. Mais quoi encore? Dorothy refuse de me lâcher le tableau, elle veut être là pour l'expertise. Ah non, mais c'était pas possible. Écoute, je sais pas, je l'occuperai dans la chambre pendant que tu recevras ta lipo. Ah non, j'ai pas... Écoute, de... François, s'il te plaît, c'est pas le moment de chauffer. Bon, je vais chercher le sombrero, on passe à l'acte 2. Ben, je vais être bonne, hein, surtout. Oui, mais comme d'habitude.
d'habitude. Mais oui, c'est mieux que d'habitude. Ah oui. Oui, entrez. Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter Edmond Talipo. Votre Altesse. Monsieur, est-ce que son Altesse aura besoin encore de mes services? Non, merci Audrey, vous pouvez vous retirer. Ah bon? Elle est charmante, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'a pas inventé l'eau tiède. Oui. Bon, monsieur, inutile de tourner autour du pot, vous savez pourquoi vous êtes ici. Oui, mademoiselle Martin m'a vaguement parlé d'un tableau dont vous aimeriez vous défaire. C'est que... Monsieur, je n'ai pas le choix. On me presse pour trouver de l'argent et je n'en ai pas. Raison d'état, mais raison qui vous honore. Mais avant de poursuivre cet entretien, je dois vous prévenir que l'avance de ce tableau ne pourra pas se faire avant demain soir. Là, au contraire, je trouve la transaction un peu précipitée, lui. Tout dépend de l'œuvre que vous avez à me proposer. Il s'agit d'un serat. Un serat? Oui. Une version sur bois qui date de 1888. Mais votre Altesse m'intéresse. Monsieur? Enfin, je me comprends. Un serat, votre Altesse, ça ne court pas les rues. Je ne vous fais pas dire. D'ailleurs, regardez à quoi ressemble le tableau. Très joli tableau, votre Altesse. Mais il y a un problème. Et quel? Ce tableau n'est pas un serat. Pardon? Non, je connais les œuvres de serat par cœur et celui-ci n'est pas catalogué. Et pour cause, il s'agit d'une version inédite, jamais répertoriée. Mais par quel miracle? Le tableau appartient à ma famille royale depuis sa création. Lorsque nous avons été exilés de la Carquémiche... Oh, madame! Mon grand-père l'a emporté dans ses bagages. Madame! Depuis, il n'a jamais quitté notre cercle. Et quand on caresse un cercle, il devient vite vicieux. Tenez, ça commence. Cadeau. Fais ma foi, madame, si vous dites vrai. Monsieur, ce conditionnel est outrageant. Entendez par là que vous avez pu être malgré vous le jouet d'un jour. Ce tableau n'a jamais été expertisé. Si, monsieur. Il le fut. Et même à trois reprises. D'ailleurs, reconnaissez la technique de serat. Oui. Ce pointillisme qui consiste à juxtaposer de minuscules touches de couleur pure qui ne font qu'un dans l'œil du spectateur. Votre Altesse a les mots justes pour définir la technique d'impressionnisme. Je suis impressionné. Cela dit, j'en serai tout à fait convaincu lorsque je verrai l'original. Demain. Soit. Votre Altesse a-t-elle une idée de la valeur d'une telle œuvre? Faut-il que je m'en remette à d'autres expertises que la vôtre? Non, mais je ne pourrai pas vous faire de cadeau. Je n'accepte jamais de cadeau d'un parfait inconnu, monsieur. Oh, madame, je suis loin d'être parfait. Savez-vous ce que représente cette vente pour moi? Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une nécessité. J'ai conscience du sacrifice qui vous est demandé. Eh bien? Je peux vous en offrir 2 millions d'euros. Au revoir, monsieur. Disons 2,5. Je crois que vous n'avez pas bien compris les motifs de mes agissements, monsieur Talipo. Si je ne connais pas le cours des œuvres d'art, j'ai appris à connaître le prix des armes. Savez-vous combien coûte une carabine? Une carabine? Mais que croyez-vous? Quel est le moyen d'acheter des armes atomiques, peut-être? Alors? Une Winchester? Si vous voulez. Ah, mais alors là, tout dépend du modèle, voyez-vous, parce qu'une 94 doit coûter... Dans... Je ne vous le fais pas dire. Ça coûte. Moi, j'ai besoin de carabines, d'arquebuses, s'il le faut. Alors là, pour le prix de l'arquebuse, je ne m'avancerai pas. Faites pas grâce de votre nom, et surtout, cessez de me faire des propositions indécentes. Ce n'est pas une, mais des vies qui sont en jeu, monsieur Talipo. Madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes une femme rare et je reste persuadé que vous ferez une très grande reine. Je peux vous en offrir 3 millions d'euros. 5. 4. 3. 2,5. Puis chez moi. 3. 4. 5. Oh, stoppez là. C'est votre dernière offre. Ah, là, je ne peux vous en offrir davantage, voyez-vous. Bien. Je m'en contenterai. Espérons que la victoire sera à ce prix. En plus de cette reconnaissance, pourrais-je espérer l'estime de sa reine? Vous l'avez fait. Oh, alors, madame, vous ne pensez tout de même pas que je vais me satisfaire d'une parole? Je ne comprends pas. Alors, madame, comment avez-vous pu penser que je ne remarquerai pas votre petit jeu de séduction? Monsieur Talipo, vous vous égarez. Il m'étonnerait. Mais tenez-vous, monsieur, mais qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi?
Croyez-vous que depuis une semaine, je n'ai pas senti vos yeux sur moi? Les yeux sur vous? Ah oui, vous n'avez cessé de surveiller le moindre de mes gestes. Mais vous êtes fou! Oh, c'est dire le contraire! Oh, méchant! Oh, oui, osez! Monsieur Talibon! Oh, appelez-moi être bon! Mais tenez-vous, monsieur, vous oubliez à qui vous parlez! Couchez, Talibon! Couchez! 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 Oh, les usages! Les usages! C'était à vous de les respecter! La prochaine fois, vous j'appelle! Une femme de votre trempe, comment avez-vous pu ignorer le lion? Ah, le lion! Ah oui, le lion! Le lion qui sommeil dans moi! Le lion! Ensemble, nous allons construire un nouveau royaume! Donnez du sang neuf au carpénique! Mais vous êtes fous! Mais reprenez-vous! Mais vous, reprenez-vous! Pour une reine aux abois, vous avez besoin de mon argent? Laissez-moi être votre caribou! Mon caribou! Allons, monsieur, moins d'élan! Oh, moins d'élan et spirituel avec ça! Mais non! Vous n'oseriez pas profiter de ma faiblesse, des fois! Voyez cela comme un marché. La vente ne se fera qu'à cette condition. Je m'offre moué et mon capital sur un plateau. Je ne prenais que le capital. Oh, c'est un lot, madame. Il faut tout prendre. Oh, vous êtes dur. Vous trouvez? En affaires. Allez, je n'ai pas envie que je traite. Vous allez le regretter. Vous ne savez pas quelle femme je suis. Oh, il me tarde de le découvrir. Mais pourquoi cet amour soudain? J'ai toujours rêvé d'être roi. Eh bien, soit. Si je la tiens, vous aurez la couronne. Et si je la couronne? Vous aurez ma fête. Oh madame, laissez-moi. Oh, laissez-moi vous baiser les pieds. Faites, ça me donnera au moins l'impression que notre union future ne repose pas uniquement sur une sordide histoire d'argent. Oh, prétexte, tu sais bien que... Oh, je peux vous dire tu. Oh, maintenant que vous m'avez baisé les pieds, je ne vais pas faire la fine bouche. Allez-y. Oh, tu sais bien que le hasard n'existe pas. Il fallait que nos routes se croisent. Et vous, es-tu... Tu vas tout abandonner pour me suivre en Carquemiche avec Jean Pedro? Avec qui? Avec mon frère. Mais avec qui tu voudras du moment que je suis avec toi? En ce cas, nous serons toujours avec Jean Pedro. Pourquoi? Parce que Jean Pedro est toujours avec moi. Pourquoi? Jean Pedro n'est pas, comment dirais-je, tout à fait... Enfin, je crois qu'il vaut mieux que tu fasses ta connaissance. Il est ici? Oui. Oh, mais je serais très heureux de le rencontrer. Il est dans la chambre. Je vais le détacher. Pardon? Je vais le détacher. Oh, surtout. Et mon chéri. Oui. Pas de gestes brusques. Ah. Il est un peu sauvage. Et mon, je vous présente le prince Jean Pedro, mon frère. Allez, ma signale. Tu es bien têteur de la révolution. Je sais ton œuvre. Enfin, monsieur Talibot, nous allons pouvoir enfin rentrer chez nous. Non problème, cavaliero. Ah, tu dois accorder à ma soeur tout le quoi que tu demandes, sinon je te fusille. Ah, te fusille. Eh, Tarombar. On n'est pas encore là. D'abord, tout assieds-toi. Vous buvez quelque chose. Ça m'est plaisant, n'est-ce pas? Il ne va pas s'en servir. Oh, Jean Pedro, range cette arme. Tu sais bien qu'elle est chargée. Ah, non. D'abord, il y avait qui boivent son lieu de cactus et de banane. Ah, non, non. La banane, la banane. Ça va, j'y vais. C'est peut-être que je n'ai pas très soif. Oh, ne te demande pas, Aramis. C'est une coutume. Ah, non, et bon, faites un effort. Eh, pour faire un effort. Si. Et voilà. On ne peut pas refuser une coutume locale. Allez, pronto. Voilà. Si, parce que c'est lieu de cactus et de bananes. Et posez mon arme. Si tu la touches, attention. Bien, je t'explique. Tu prends un peu de sel. C'est du sel à base de pimento. Voilà. On met un petit peu. Oh, doucement. Allez, après tu bois tout. Tu bois coup sec. Coup sec, mais avec la bouche. Hein. Et ensuite, putain d'acquibuelo. Ensuite, tu prends un petit peu. Voilà. Tu es dégoûtant, là. Voilà. Bien. Ça va, ça pique pas trop? C'est bon. Merci. Bueno, le cocktail de bienvenue est terminé. À présent, hombre, maintenant que tu es un hombre, on va parler bouse de ça. Tu vas épouser la famille. Mira la famille. Mira que bella. Oh, que bella. Chouffe los pomelos. Mira los pomelos. Non, tu vas toucher. On l'appelle l'Andalous au castagnette. L'Andalous. Olé, l'Andalous. Un tour pour montrer comment tu fais. Olé, olé, voilà, voilà. Donc, si tu veux épouser l'Andalous, si tu veux l'épouser, il faut que tu joues à la roulette russe. La roulette russe? Si, je crois que tu connais. Ah, si, je connais, mais je n'ai aucune envie de jouer. Ah, ne te demande pas ton avis sur les buts. Tu laisses los pesos,
tu prends Francesca et tu te tires une balle dans la tête, ou tu laisses los pesos, tu prends le tableau et tu ne joues pas. Alors qu'est-ce que tu choisis? Pour la seconde solution. Ah, tu n'es pas très courageux, mais tu me déçois. C'est que je tiens ma tête, voyez-vous. Bah, pourtant, elle n'est pas très belle, hein, bon. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pedro. Hop là, amigo. Tu n'es pas courageux, mais je crois que tu as fait le bon choix. Maintenant, vous me laissez faire ma petite sieste. J'espère que vous ne maintiendrez pas rigueur, votre Altesse. Moi, je me ferai une raison. Vous permettez que je raccompagne mon frère dans sa chambre? Ah oh, oui, faites vite, vite, vite. Nous voyons toujours demain pour l'expertise. Oui, vous serez seul, n'est-ce pas? Soyez-en assurés. Oui, soit votre Altesse, prince. Adieu, amigo! Adieu, amigo! Adieu, amigo! À vous qui cherchez ce couille et pétrole! Le travail était bien marché avec Jean-Pedro. Justement, tu aurais pu dire Juan Pedro. S'il te plaît, tu as bien dit Caramba au lieu de Caramba. Attends, tu crois que c'est facile de parler avec un accent? Ah, parce que tu crois que c'est facile de faire le sage? Quoi? Ton machin tout à l'heure? Quand t'avais fait... C'était de la gnognotte.
Votre Altesse ? Prince ? Votre Altesse ! C'est moi ! Oui, nous sommes avec Audrey. Il faudrait plus le dire avant. J'ai votre paquet, Votre Altesse. Posez-le où vous voulez, Prince. Ben, je vous le pose ici. Nous nous voyons tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Votre Altesse. Voilà, Votre Altesse, vous gardez bien les mains en l'air, hein. Vous voulez que je vous porte votre paquet ? Lady ? Non, non. Non, rien. S'il sera. Oh, c'est quoi ça ? Oh, mais pas sec, ce tableau. Qui vous a demandé de toucher ce tableau ? Non, mais je... Qui vous a demandé d'ouvrir ce paquet ? Chut ! Oui ? Monsieur Espérance, c'est la directrice. Oui, un moment. Allez, vous séchez, c'est dans la salle de bain. Vous dépêchez-vous. Mais comment ça, sécher ? Séchoir, cessez de poser des bêtises, cessez de poser des questions idiotes surtout, et sachez sécher ce soir, sans sourciller, sans chouiller, avec un séchoir dans la salle de bain, s'il vous plaît, allez. Et vous savez que je ne suis coiffeuse, moi, je ne suis pas chauffeuse de toile. Entrez, madame la directrice. Monsieur Esperanza, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai tenu à vous porter personnellement l'ordinateur de son altesse. Ah, allez, merci, posez ça là, voilà, ici, posez-le sur la petite table, ça ira très bien, merci. Merci, madame la directrice. Son Altesse est-elle toujours aussi satisfaite de nos services ? Son Altesse est ravie, merci. Et savez-vous combien de temps encore Son Altesse nous fera l'honneur d'être parmi nous ? Madame la directrice, ne me dites pas que vous êtes encore inquiète pour la petite note. Monsieur Esperanza, croyez bien, je n'ai aucune inquiétude. Même si je dois vous dire que la note est loin d'être petite. Ne vous faites pas de soucis pour ce, merci. Je suis désolée, monsieur, mais ce matin encore, il n'y avait rien dans la presse. Dans la presse ? Non, mais vous n'y songez pas, malheureuse. Et pourquoi croyez-vous que Son Altesse reste cloisonnée dans un établissement comme le vôtre, placé sous surveillance, 24 heures sur 24 par la police française ? Un autre hôtel sous surveillance ? Parfaitement ! Parfaitement, ils sont partout. Et on ouvre notre passage, l'efficacité de la police française, on ne les voit pas. Ils ne sont jamais là, non ? En fait, je ne parlais pas de la rubrique mondaine. Non. Je parlais des cours de la bourse. De la bourse ? Oui, monsieur, ce matin, les Aldos n'y figuraient pas. Le Zaldos. Le Zaldos, votre monnaie locale. Vous dites le Zaldos. Le Zaldos. Non, c'est le Zaldos qui veut dire. Vous dites le Zaldos. Le ZA, vous voyez, la différence ZA, le ZA, le ZA, le ZA, le ZA, le ZA, on va chercher quoi, le Zaldos. Le ZA. Non, non, écoutez, madame, monsieur, vous êtes allé voir ce voyage sur le Zaldan. Le Zaldos. Le Zaldos. Oui, puis il faut appeler un chat et un Zaldos, un Zaldos. Et vous, si on prononçait un euro, un zéro, vous me direz la question des balles aussi. Laissez-moi vous instruire au sujet du Zaldos. Le Zaldos qui a disparu avec la monarchie ne pourra avoir cours que lorsque ma sœur remontera sur le trône, vous comprenez ? Alors, nous partons demain matin, voilà, pour la carte de chez vous. Dites-donc votre établissement, et je tâcherai de passer vous payer personnellement ce soir. Et en quelle monnaie devrais-je établir la petite note ? En roupies singalaises. Quoi ? En dollars. En dollars, monsieur Esperanza, vous facilitez la vie. Alors tâchez de ne pas ennuyer celle de Sa Majesté avec des problèmes bassement matériels. Voilà. Merci. Vous voulez la note ? La voici, c'est en euros, c'est ce qu'il y a pour en France. Ah oui, la petite note, alors voyons. Ah oui, tout de même, vous allez nous regretter. Certes, monsieur, certes. Merci. Et avant votre départ, puis-je me permettre de vous faire monter une bouteille de champagne ? Ah oui, Son Altesse, il sera d'autant plus sensible s'il s'agit d'une bouteille de moins qu'échantillon. Comment pourrait-il en être autrement ? Merci, madame la directrice. Votre Altesse. Non, c'est pas la peine, là. Pour moi, c'est pas la peine. Françoise ! Françoise, c'est bon, tu peux sortir. Alors, la voilà, ta petite protégée. Pour ça, tu ne vas pas recommencer. Ah, qui vous a demandé de toucher ce tableau ? Mais simple curiosité, je ne voulais rien faire de mal. Mais en attendant, la peinture est sèche. Ouais, finalement, c'est une chance qu'on ait eu entre les mains. C'est un faux. Mais de quoi je me mêle ? Quand t'es refourgué un faux, elle est pauvre. Je me demande bien ce qui vous fait prendre une chose pareille à vous. Et moi qui vous prenais pour une Altesse royale, et puis là chez moi, vous me faites mal. Comment nous avez-vous découvert ? Mais à l'instant, quand vous venez d'appeler votre sœur Françoise. Enfin, par contre, je ne sais pas si c'est votre sœur, ça. La question n'est pas là. Oui, certainement, je suis sa sœur, mais la question n'est pas là. Mais bien sûr que j'ai cru, moi, à votre histoire. J'ai même regardé Carquemiche dans le dictionnaire. Pourquoi ça existe ? Oui, bon, enfin, j'ai pas tout compris, hein. C'est pas un état, c'est le nom de la ville. Le nom d'une ville de la Syrie ancienne. Mais tu penses que quelqu'un d'autre avait une idée de regarder aussi ? Attends, c'est pas le moment d'être passionnel, hein, s'en fout, hein. Pour l'instant, c'est moi qu'on a notre chat fouetté, hein. Attendez, vous n'allez pas me faire du mal, hein ? Moi, je vais sécher en...
vous l'avez demandé. Et puis, oh, en fait, je peux tout dire à la police aussi, hein. Oh, elle est forte, celle-là. Oui. Service d'étage, monsieur. Oui, un instant. Entrez. C'est pourquoi? C'est pour la chambre, monsieur. Eh bien, allez, dépêchez-vous, alors, merci. Non, mais vous ne croyez tout de même pas que vous allez nous faire chanter, Patrick? Je l'écoute. Claire, ouvre, c'est moi. Dandy, un instant. Claude, il faut que je te parle. Je suis fou, si tu l'expliques tout, dépêche. Entre. Claude. Claude, chérie, sauve-moi. Mais Dandy, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils m'ont oublié. Ils ont piqué ma maison. Quoi? Du cambrioleur? Non, les huissiers. Cette pourriture d'huissier. Attends, calme-toi, ma chérie. Calme-toi, tu es surexcitée. Assieds-toi, explique-moi tout calmement. Ils ont forcé ma porte. Du cambrioleur? Mais non, les huissiers. Ah, et tu étais chez toi? Non, non, j'étais dans la voiture sur le parking. D'accord. Il le sera. Il est là. Ah, Dieu merci. Reste donc, Dieu merci, tu n'as rien. Non, non, tu n'as rien. J'étais dans la voiture sur le parking, je venais te retrouver, donc je l'avais avec moi. Oui. Quand j'ai vu les huissiers rentrer. Alors, je n'en croyais pas mes yeux. Au départ, j'ai même cru que c'était des cambrioleurs. Oui. J'ai essayé d'appeler la police de mon portable, et puis, oui, puis j'ai tout compris en voyant les deux déménageurs et le serrurier. Attends, mais comment se dit que tu les ici aux fesses, toi? Ouais. C'est bien les seuls que je ne voulais pas avoir, crois-moi. La lunette? Non, penses-tu, non. Ah. Non, j'ai décidé de faire donation de mes biens à l'état de mon vivant. Mais bien sûr que j'ai des dettes. Je suis criblée de dettes. Et si je n'ai pas d'argent d'ici 48 heures, je serai criblée de balles. Attends, ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais te sortir de là. Oh, Claude, il faut que tu m'achètes ce tableau. Mais bien sûr que je vais t'acheter ce tableau. Oh, bien. Alors fais-moi un chèque et nous irons immédiatement à ma banque. Ah, non, non, c'est pas possible. Tu sais bien qu'aucune banque ne pourra s'en faire à vie. Le verser ne serait-ce que la moitié de ce que tu en demandes. Combien en offres-tu? Mais combien en veux-tu, ma chérie? Oh. Claude, je ne suis pas en force de marchander. Ah. Je te le laisse pour 2 millions d'euros. 2 millions? Eh, mais je les veux cash. Non, 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 là, tu plaisantes. Si j'ai une tête à plaisanter, prends mon photo tout de suite. Bon, enfin, je veux cet argent sous 48 heures. Mais c'est pas possible. Comment tu refuses? Eh oui, laisse-moi plus de temps. Mais enfin, je n'ai pas envie de finir troué comme une passoire. Il n'y a pas que les passoires qui sont trouées. Cette fois, je le signe à la direction. En fait, ce que vous voulez, fichez-moi le temps, ouais. Ma chérie, tu... Oui,
failli, j'ai enfermé ma sœur. Mais oui, tu peux ouvrir, viens, il faut que je te parle. Oh merde, ouais. Dis-toi. Un grand petit instant, je vous prie. Petit instant. Oui, vous pouvez rentrer. Votre Altesse. Monsieur. Monsieur Dalibo, si ponctuel. La politesse des rois, madame. Il est vrai, mais... Oh, mais il vous voici bien distant. C'est que les directives de votre frère ne prêtaient guère à confusion. En fait, vous êtes bien seul. Il est enfermé à côté. À côté. Non, mais rassurez-vous, je lui ai confisqué ses pistolets. Votre frère a-t-il subi un traumatisme? Un traumatisme? Oui, un choc étant jeune, peut-être. Je ne pense pas, non. L'exil. Mon frère est né à Paris, il n'a jamais connu la Carquémiche. À Paris, avec un tel accent? Oh, c'est un genre qu'il se donne, vous savez. Enfin, votre Altesse, votre frère est bien peu... Quoi? Un peu dérangé. Ah, dérangé n'est pas le mot qui convient. Disons qu'il est un peu spécial. Spécial, oui, pour le moins, oui. Mais je suppose que vous n'êtes pas là pour me parler de mon frère? Non, il est vrai, il est vrai. Voilà, très bien. Alors, je vais donc pouvoir vous montrer ce tableau. Voilà. Très jolie gravure, votre Altesse. Elle porte un nom. Oh, je n'en ai jamais eu connaissance. Le revêtement est assez ancien, les pigments sont d'époque et la signature, que l'on ne voyait pas sur la photographie, atteste bien qu'il s'agit d'une œuvre du maître. Eh bien? Pas de doute, votre Altesse, vous avez la sera d'une pure beauté. Vous faites une belle affaire. J'aurais mauvaise grâce à vous dire le contraire. Mon offre tient toujours. Oui, je vous ai préparé mes coordonnées bancaires pour le virement. Juste. Mais auparavant, et si vous le permettez, votre Altesse, je vais glisser ce petit chef-d'œuvre dans mes affaires. Oh, vous aurez tout le loisir de le faire ensuite. Alors, votre Altesse, avant de me consacrer à votre compte, libérons ma main, voulez-vous? Oh, j'insiste, monsieur! L'homme immortel! Ah! Ah! Le prince ne devait-il pas être enfermé? Il est imprévisible! Le prince ne devait-il pas être désarmé aussi? Je lui ai confisqué ses pistolets, mais vous allez rire. Quel étourdi je fais? J'ai oublié son effet. Toi, tu oses réveiller les dieux de l'Olympe? Après toi, subir les foudres de ton créateur. Nous allons voir si tu es un pour et si tu mérites de vivre. Un pour? Si, un pour. Un pur, Edmond, faites un effort, un pur. Mais c'est ce que j'ai dit, un pour. Enfin, Altesse, faites quelque chose. Mais vous savez, quand il est dans cet état, il vaut mieux attendre que ça se tasse. Que ça se tasse, non, mais vous plaisantez, je suis déjà au plus bas. Ah! Lève-toi! Lève-toi, homme de peu de foi. Nous allons faire les tests des dios. Et si tu réussis, tu mérites de vivre, sinon, tu finiras en larves terriennes. D'abord, tu vas revêtir ce chapeau cosmique et céleste. Bien, et bien les bras le long du corps. Vous s'est bien sorti, fais bien la bajou, je le sens bien. Maintenant, Bré, tu vas fermer tes grosses ojos globuleux et tu vas compter jusqu'à 10. Si à 10, tu es encore en vie, cela mérite de vivre. Tu es des nôtres. Sinon, tu te transcendes en larve terrienne. Tu as compris, Bré? Oui. Bien, maintenant, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Ah! Moins vite, malheureux, ou tu vas t'éclairer. 2. Si. 3, 4, si, ferme tes yeux. 5, si, 6, si, 7, 8, 9 et 10. Je peux ouvrir les yeux? Ouvre tes yeux, Ombré, et regarde. Tu es encore en vie, tu as réussi. Bienvenue parmi les grands hommes. J'ai réussi? Ah, tu es un grand homme. J'ai réussi, votre Altesse, j'ai réussi. Il a réussi. Monsieur Dalibo, cessez donc de faire l'enfant. Et remettez-vous au travail. Oui, j'ai réussi. Quant à vous, dépêche-toi de retourner dans ta chambre. On a assez ri pour aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Dalibo? Pardon? N'est-ce pas que nous avons bien ri? Ah oui, ce fut hilarant. Voilà, tu vois même, monsieur Dalibo s'est bien amusé. Maintenant, il faut laisser travailler les grandes personnes. Mais eux. Il n'y a pas de mais eux qui tiennent. Allez, va dans ta chambre essayer ton nouveau costume de Zorro. Il y a un nouveau costume de Zorro? Oui, je t'ai acheté un nouveau costume. De ouais, youpi, un nouveau costume de Zorro, et Dalibo, hé, il y a un jeu avec moi, tu vas faire le Saint-Jean Garcia. Si, un cavalier qui surgit hors de l'armée, court de l'aventure, galop. Et puis en plus, Dalibo, ça ressemble à Tornado, tu fais le chemin, je te monte dessus. Non, et puis on prend vite l'habitude tout compte fait. Oui, vous savez, il n'est pas bien méchant. Un peu impressionnant tout de même pour son âge.
Alors voilà. Là j'en vois, et voici 5 millions d'euros qui viennent d'être virés sur votre compte aux Caraïbes. Vous permettez? Ah, mais je vous en prie. Voilà, virement effectué, 5 millions, c'est parfait. Le tableau est à vous, et voici le titre de propriété. J'espère que vous êtes satisfait. Pleinement. Je ne regrette seulement de n'avoir de la carquémiche en vérité qu'un simple tableau. Oh, vous vous conservez en vous disant qu'il est unique et qu'il vaut bien le double du prix que vous l'avez payé, n'est-ce pas? Bien maigre consolation en vérité. Bien, monsieur Talipot, j'étais heureuse de faire votre connaissance. N'hésitez pas à passer par la carquémiche et à venir me rendre une petite visite. Je vais de ce pas réserver mon billet d'avion. Oh, attendez au moins que je sois sur le trône. Oh, j'attendrai, madame, j'attendrai. Oui, c'est ça. Et tu peux toujours attendre. Alors, 5 millions! 5 millions! Wow, 5 millions! Ah, Audrey, magnifique performance tout à l'heure! Ah oui, inédit le coup du couteau! Ah oui, belle trouvaille ça! Chapeau! J'ai toujours su que j'allais louper ma vocation! Vous savez, nous sommes toutes des comédiennes, sauf quelques actrices! 5 millions! Oh, mais dis donc! Et puis en plus, pour partage, ça sera plus facile! 3 millions pour vous et 2 millions pour moi! J'attendais celle-là! Mais quoi, quand même, 3 millions pour vous? Vous n'allez quand même pas jouer les radins! Au lieu de là, jouer les folies! Mais attendez, vous ne croyez tout de même pas que nous allons vous donner 2 millions d'euros pour la scène lamentable que vous nous avez jouée tout à l'heure? Ah d'accord, alors maintenant elle est lamentable! Parfaitement lamentable! Complètement, ma petite dame! Lamentable! Vous pouvez aller vous rhabiller! Vous pouvez vous rhabiller! Oui. Oh là, Brice, dis quelque chose! Comme l'impression que mademoiselle Martin va nous faire payer bien plus que sa simple prestation. Et quoi d'autre? Mais il y a mon silence aussi! Retiens-moi avant que j'en fasse de la confiture, bonne Audrey! J'ai l'impression que nous n'avons pas le choix, Françoise. Ah non, je ne pense pas. Moi, je vois bien une autre solution. Oh, vous savez, le coup de « si tu pars, je vais me débarrasser de ton corps », ça ne marche pas avec moi. Oh, il n'y a plus de jeunesse. Alors? Alors, vous gagnez. Vous gagnez la manche. La manche, oui. Ah, belle mentalité. Ah, Dorothy. Oh, j'avais oublié celle-là. Je dois vous féliciter. L'arnaque fut bien montée. Je nous avons prendre ceci pour un compliment. Vous pouvez, et surtout vous pouvez vous vanter de m'avoir fichu la trouille de ma vie. Alors toi, tu t'appelles Brice? Oui, mais voici ma chère Françoise, et voici Audrey Martin. Nouvellement arrivée, oui, par obligation. Oui. Et vous vous êtes donné tout ce mal pour un tableau? Ah, rassure-toi, monsieur, le tien est toujours là. Tu veux dire que vous avez vendu un autre tableau? Non, nous avons fait faire une copie du tien. Nous sommes du Robin des Bois, nous prenons pour riches. Oui, rassurez-vous, le vôtre est dans la salle de bain. Oui. Une copie? Une copie? Mais enfin, chérie, c'était déjà un faux. Quoi? Mon sera n'est pas plus vrai que ta sœur n'est reine. Ah non, mais c'est pas possible. Le Talipot a fait l'expertise, il a bien dit que c'était un vrai. Ah, c'est Talipot qui vous a acheté ce tableau? Oui, parfaitement. Et mon Talipot, un collectionneur? Oui, un escroc, un charlatan, vous voulez dire? Attendez, je ne pensais tout de même pas que... Attendez, quoi... Salaud! Quoi? Brice, les 5 millions ont disparu! Quoi? Les 5 millions? Oui. Les 5 millions? Oh, le salaud! Oh, le salaud, salaud! Ah, ne me dites pas qu'on s'est fait doubler par un... Un as de l'informatique, ça c'est certain! J'arrive pas à le croire! Escroqué, le pauvre reine qui l'attendait... Oui, bon, ça va prendre ça, c'est fini maintenant, hein. Alors moi je dis chapeau! Alors vous, on vous dispense de vos commentaires! Je dis simplement, madame, qu'il faut savoir perdre la tête haute. Oui, et c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Eh oui, et puis comme disait un vieux proverbe de ma grand-tante, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien alors, ce n'est ni de votre grand-tante, ni le moment de nous sortir des phrases toutes faites, hein, parce que ça... On n'arrive pas à le croire, on s'est fait avoir comme des bleus, Brice. Comme des bleus, ça c'est... C'est vrai que vous n'êtes pas trop mauvais tous les deux. Mais bon, ce qui vous manque, c'est un coach. Ça vous dirait que le duo, là, se transforme en trio? Alors, hors de question! On n'est pas des amateurs, nous! Pas des amateurs, nous! Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec un peu d'imagination et une personne en place, il y a du blé à se faire dans cet hôtel. Alors? En dis-tu? Pourquoi pas? Bon, elle en a rêvé? Les Vitons l'ont fait. Waouh! J'étais sûre qu'on était fait pour s'entendre. Ah, en parlant de Vitons, avez-vous remarqué la comtesse roumaine? La comtesse? Ah, alors voilà. Alors ça joue les altesses royales et ça sait même pas flairer le vrai gibier. Bon, allez, venez, je vais vous la montrer. Non, mais de toute façon, vous pouvez me dire tu. C'est vrai? Oui, maintenant nous allons travailler ensemble. Allez. Bon, alors le problème, c'est qu'elle est ici. Mais bon, c'est même tout. Je
Et une autre, Dorothy? Ah non, merci chérie, très peu pour moi, non. Non, je vais continuer à essayer de refourguer mon pot. Comment, et tes dettes? Oh non. Mais enfin chérie, il n'y a pas plus de dettes que d'huissier. Oh l'imbécile, oh l'imbécile. Oh, quel... Et pour faire un métier comme celui-ci, il va falloir te dépêcher de faire dans ton âme d'enfant. Ouais, c'est bon. Bon, tu ne m'en veux pas. Non, j'ai adoré. Brice, tu sais que ce n'est pas bête ce qu'elle dit, la petite. Quoi? Bon, Brice, tu viens, sinon tu vas entendre que tu n'as rien compris. Mais quoi? Mais c'est vrai, faut être attentif, mon poussin. Poussin? Mais je vous interdis de m'appeler poussin. Oh, alors là, tu verras. Il est susceptible pour les noms, les surnoms, les... Évidemment, tu avais des surnoms qui me donnent, j'ai toujours des surnoms nommés, je verrai, Sanchez, Garcia, Pérez. Allô? Allô, Richard? C'est Dorothy. Oui, merci. Oui, bon, traite de civilité. Passez-moi Edmond. Edmond Talipour, vous savez parfaitement de qui je veux parler. Même si je sais très bien que ce n'est pas son vrai nom. Bon, écoutez, je sais qu'il est là. Arrêtez de me prendre pour une idiote. Surtout que c'est lui qui va passer pour un imbécile. Oui. Le sera est un faux. Un faux. C'est ça, oui. Passez-le-moi. Ah, Edmond, tout de même. Je dis que votre tableau est une copie, tout comme le mien d'ailleurs. Oh, je tenais quand même à vous féliciter pour votre cours informatique. Ça frisait le génie. Eh bien oui, je sais. Que voulez-vous? Nous ne pouvions pas savoir que nous avions nous aussi affaire à des escrocs. Oui, bon. Edmond, inutile de ressasser le passé. Je vous propose d'aller de l'avant. Un petit scandale sexopolitique, ça vous intéresse? Très bien payé. Seulement, il va falloir séduire une femme politique et... J'ai besoin d'un homme, d'un vrai. Je peux compter sur vous? Ah, je ne peux rien dire. Si ce n'est que, il va falloir ruser, parce que c'est une frôleine de caractère. Oui. Parfait. Donc, je préviens mes partenaires et le commanditaire. Avec les mêmes que pour DSK. On ne joue pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Oh, Edmond, j'ai votre parole. Pas dans Tourloupe. Avec moi, on ne joue pas sur les deux tableaux. Merci. La compagnie royale comédie composée ce soir de Michel Blanchard, Mireille Aïka, Sylvie Bauduin, Sylvie de Chazeron, Bruno Laville et Maxime Gros vous a présenté Sur les deux tableaux. Une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. La dernière, merci de votre présence, merci de votre soutien. Rendez-vous est donné pour le mois d'avril, pour les duellistes du rire, dernière édition. Et puis, pour notre dernière création, qui nous permettra de fêter les 30 ans de l'École régionale d'art dramatique, la pièce s'intitule Pas honnête. Nous vous attendons à ce rendez-vous, nombreux et nombreux. Théâtralement votre, bonsoir.